Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog week numéro 2. Aujourd'hui on est mardi 14 juin, je suis en train de prendre mon petit déj, désespérée de ne pas trouver de lait d'avoine spécial barista. Écoutez, j'ai acheté du lait d'avoine classique et il mousse, pas dingue mais il mousse quand même. Donc je suis contente pour me faire mes petits cappuccinos au lait d'avoine. Ce matin je file au festival du film d'animation d'Annecy pour aller voir des films de fin d'études. Il y en a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ce sont tous des courts-métrages. Ça commence à 9h30, il est 8h50. Donc je vais partir d'ici une quinzaine de minutes. Je vais continuer à faire ça en vélo. Parce que c'est clairement ce qu'il y a de plus pratique. J'ai posé Inès à l'école ce matin qui était ravie de repartir en robe d'été. Parce qu'il va faire à nouveau très chaud aujourd'hui. Et moi aussi je suis en robe. D'ailleurs je vais vous la montrer parce que elle vaut le détour. Voilà, le volet est en train de s'ouvrir derrière. C'est une robe de la marque Balzac. Qui s'appelle la robe Claudia, si je ne dis pas de bêtises. Qui est une robe t-shirt absolument parfaite. Pas trop près du corps, pas trop ample. Avec une ouverture sur le côté, mais qui ne monte pas non plus mi-cuisse, vous voyez, c'est juste la bonne ouverture, je vais même pouvoir faire du vélo avec sans difficulté. Elle a un petit détail sur le col, il y a une petite bande un peu parme, qui est habituellement pas une couleur que j'aime trop, mais je trouve qu'avec le bleu marine, c'est très chouette. Vous pouvez choisir de la ceinturer, c'est pas quelque chose que je fais, mais je pense que c'est tout à fait possible. Je ne suis pas certaine qu'elle existe encore dans ce coloris, mais je l'ai vue en marinière. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité à l'acheter. Puis en fait, je pense que j'en ai pas du tout besoin, donc je pense que je vais rester avec, avec celle-ci. C'est vraiment la robe parfaite quand il fait super chaud, à part peut-être pour la couleur, parce que le bleu marine comme ça, ça retient quand même pas mal la chaleur, mais sinon c'est hyper hyper adapté. Je l'adore. Et en collier, je porte un collier sur lequel il est écrit amour, 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 avec plein de jolies couleurs et un cordon tressé, un peu fluo. C'est mon cadeau de fête des mères. Quentin l'a acheté chez Beautiful, qui est une boutique que j'adore à Annecy. Je ne sais pas du tout si c'est une création de la boutique. Je ne connais pas la marque, donc je suis désolée, je ne pourrais pas vous dire autre chose que le magasin où je l'ai acheté. Je trouve très mignon, et en fait sur cette robe qui est extrêmement simple, souvent je porte soit des grosses boucles d'oreilles, soit un collier un peu... j'allais dire imposant, il est pas du tout imposant, mais vous voyez, avec des couleurs un peu flashy. Je l'adore. Je suis de retour et comme hier, j'ai eu un coup de cœur pour le premier court-métrage qui s'appelait Mosaïque de Eleonora Bera. C'était un court-métrage suisse, plein de poésie, vraiment top. Et puis le reste, vu que je m'y connais pas très bien dans le secteur, en fait quand c'est joyeux et lumineux, j'aime beaucoup. Et quand c'est très sombre ou que je ne retrouve pas de scénario ou de morale, je décroche un petit peu. Donc il y en a quelques-uns à côté desquels je suis un peu passée. Mais ça me permet au moins de voir des choses que j'ai pas l'habitude de voir, donc c'était cool. Et je repars dans 5 minutes, puisque je m'étais pas trop mal débrouillée. J'avais réussi à prendre des projections qui n'étaient pas entre midi et 2 pour pouvoir récupérer Inès tous les midis. Sauf jeudi, je crois, parce que j'ai pas eu le choix, parce qu'il y avait quelque chose que j'avais très envie de voir. Et ça finit à midi, donc je pourrais pas venir la récupérer. Je suis allée chercher une commande de Decathlon. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai galéré à trouver un maillot anti-UV en taille 10 ans. Oui, parce que ma fille fait donc une taille 10 ans. Je l'ai d'ailleurs pas trouvé en taille 10 ans, mais j'ai pris une taille 9 ans, mais ça me paraît bien long. La plupart de ces maillots type dans les marques type Tape à l'œil, Okaïdi, etc. s'arrêtent aux 6-8 ans et je trouve ça très dommage. Donc j'ai trouvé ce petit modèle voilà, chez Decathlon qui est bien mignon. Et vu qu'on va sûrement aller à la piscine demain, ça donne un équivalent de protection solaire 50 que vous n'avez pas besoin de réappliquer sur la peau de votre enfant. Donc ça ne dispense pas de se protéger du soleil parce que c'est que un SPF 50. Et ensuite j'ai repris une paire de lunettes pour Inès parce que elle a des petites lunettes de natation que j'avais achetées chez H&M qui étaient vraiment pas dingues et qui deviennent vraiment petites pour son visage. Donc toujours chez Decathlon, j'en ai profité. Lorsque je passe à la commande du maillot, j'ai pris un truc un peu mi-masque mais sans le nez, mi-lunettes. Les couleurs sont très mignonnes. Voilà, je pense que ça fera l'affaire, c'est une taille S. Ce qui est chouette, c'est que maintenant à Annecy, on a un Decathlon
City, donc je me fais livrer au... C'est un tout petit magasin Décathlon en plein centre-ville, donc je me fais livrer, je passe ma commande et je fais livrer dans le magasin. Ça m'évite les frais de port et ça m'évite de prendre la voiture pour aller chercher ça au Décathlon qui est à... au grand Décathlon qui est à Épagny, donc en dehors d'Annecy. Voilà, je... Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 5 minutes. Je vais pas faire grand-chose, à part voilà, ranger ce genre de trucs. Et après je file chercher Inès à l'école. Je suis de retour de l'école et comme vous l'avez vu, j'ai fait des petites courses. Je suis passée chez le primeur et j'ai acheté tout un tas de trucs. Une mini pastèque. Pourquoi une mini? Parce que une gigantesque pastèque à 3, il nous faut 4 jours pour la finir. Donc je suis toujours bien contente de trouver des mini. J'ai pris des petites pommes de terre rade du Touquet à faire à l'Active Fry. Là j'aime bien, je laisse la peau. J'ai pris des belles cerises françaises, un melon, contrairement à l'intégralité des habitants de la France, quasiment. Moi j'aime pas trop le melon, mais Quentin et Inès adorent ça, moi je déteste pas ça, mais c'est vraiment pas mon fruit préféré. Mais je sais qu'à la maison ça a toujours du succès. J'ai pris des kiwis, ce sont les kiwis gold qui viennent de Nouvelle-Zélande je crois, qui sont vraiment délicieux, Inès en raffole. J'ai pris des bananes, que voici, j'en ai pris 4. Ensuite un grand classique, j'en fais quasiment tous les jours, des courgettes. Moi je les fais revenir avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et franchement en ce moment on mange ça quasiment à tous les repas. Ensuite j'ai pris des nectarines blanches. Je suis complètement à contre-jour mais écoutez je n'ai pas d'autre solution, j'ai fermé le volet qui est là, sinon je vais cuire. Qui viennent d'Espagne je crois, j'aurais préféré qu'elles viennent de France mais il n'y en avait pas. Et pour finir j'ai pris un pot de moutarde. Alors j'ai pas trop l'habitude d'acheter de la moutarde chez le primeur parce qu'elle coûte une petite fortune, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement une rupture de stock sur la moutarde à peu près dans toute la France pour je crois des soucis d'approvisionnement des graines de moutarde parce que je crois que les récoltes n'ont pas été très bonnes. Donc ça fait plusieurs supermarchés que je fais et je n'en trouvais pas, et là j'ai trouvé un pot, donc je l'ai pris, mais c'est de la moutarde au miel et au vinaigre balsamique. Écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais pour faire mes vinaigrettes, j'avais absolument plus rien, donc j'avais pas trop le choix. Voilà, ça va nous tenir quelques jours. Je vais tout de suite aller mettre ça au frais, sinon ça va partir en courant. Ah, et pour les petits sacs en mousseline, je crois que je vous en ai déjà parlé, ils font tous exactement le même poids, donc la même tare de 13 grammes. Je les ai eus sur Casidomi, il y a très longtemps. Je les passe à la machine quand ils sont tachés, si je transporte, je sais pas, des fraises qui ont coulé ou ce genre de choses. C'est de la mousseline de, je ne sais pas ce que c'est, du coton, je pense. Absolument. Et c'est très 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 pratique. Donc je les ai toujours dans mon coffre de voiture. Il peut m'arriver de les oublier si je fais des courses à pied et que j'y pense pas. Mais sinon, je n'utilise plus que ça. Je suis en train de me préparer pour aller au yoga. Ma prof de yoga a ouvert un cours le mardi soir à 19h30. Ce qui m'arrange bien. Comme ça, j'ai le temps que Quentin revienne... C'est marrant, je l'ai craqué comme ça. J'ai le temps que Quentin revienne du travail et puisse prendre le relais pour Inès. Et je vais tester mon nouveau tapis de chez Baya. Ce sont eux qui me l'ont... Enfin, c'est l'équipe Baya qui me l'a envoyé. Moi, j'ai un vieux tapis de chez Lolé que j'ai acheté sur vente privée. J'avais vérifié, je crois que je l'ai depuis 2011. D'autant vous dire qu'il est bien fatigué et que la matière commence un peu à se déchirer à certains endroits. Donc, je suis trop contente de tester ce modèle-là. Je me souviens pas de la référence, je vous la mettrai sous la vidéo. Sur le site de Baya, vous avez un questionnaire pour savoir quel type de tapis vous correspond. Donc moi j'ai pris un modèle un peu épais parce que j'ai toujours mal au genou. Et il y a une matière aussi antitranspirante pour les gens qui transpirent des mains. Ça n'est pas mon cas, donc moi j'ai une matière qui n'est pas forcément antidérapante. Je vais tester ça ce soir et je vous en reparlerai. Et puis sinon au niveau de la tenue, j'ai un débardeur de chez Lolé d'ailleurs. C'est une marque que j'aime beaucoup. Le soutien-gorge de sport de chez Fabletics qui est avec un effet de superposition. Le legging, on le voit pas mais peu importe, Ocean's Apart c'est une catastrophe, il est transparent comme tout, je vous déconseille mille fois la marque. Pourquoi je le porte? Parce que je l'ai et qu'il a quand même l'avantage d'être fin et donc de ne pas tenir trop chaud. En revanche il est extrêmement transparent, moi je m'en fous un peu que tout le monde voit mes fesses mais voilà, faut quand même faire attention aux sous-vêtements qu'on met dessous. Sinon on montre clairement sa lingerie à la terre entière. Voilà, je vais aller dîner léger parce que j'aime pas manger trop avant d'aller au yoga et je pars d'ici 10 minutes, c'est juste à côté de chez moi et je vous ferai un petit débrief sur le tapis en revenant. Est-ce que vous me voyez encore? Ouais, il commence à bientôt à faire nuit.
Le cours de yoga, génial, comme d'habitude. Petit point sur le tapis. Déjà, il y a un détail auquel j'avais pas pensé, mais il est plus long que celui que j'avais. Donc, mon corps entier rentre dedans. C'est-à-dire qu'avec mon ancien tapis, il fallait que je fasse un choix entre le fait que ma tête ou que mes talons soient en contact avec le tapis. Je fais 1m78 pour rappel, et celui-là doit faire un tout petit peu plus d'1m80. J'avoue que j'ai pas vérifié quand on m'a proposé de le recevoir, mais mon corps rentre en entier dessus et c'est très agréable. Je vais filer sous la douche, demain c'est mercredi donc je vais profiter d'Inès. Je vous dis à demain pour vous et je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.